Oh, coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle, direction la Corée du Sud avec la toute grande Queen, si elle et un nouveau titre qui se nomme Lover Like Me. Alors je peux vous dire que j'ai vu le photoshoot sur Instagram, également le teaser. Je pense que ça va encore envoyer du lourd comme son précédent single Spicy. Ah, ciel, chaque fois tu nous envoies des bombes. Et c'est parti, je vais découvrir donc ce nouveau titre maintenant. Go. Oh, ça j'aimais beaucoup. Ah, elle est trop belle. Oh. Oh. Wow. Oh, super make-up. Oh. Wow, le visuel. Les paroles sont vraiment chouettes, hein. Et tous ces tournesols, c'est très... J'adore. Oh, elle est trop belle. Rentre à la maison, mon fieu. Ah, toutes ces vieilles télé et tout. Ah, j'adore. J'aime beaucoup. Mon amour te manque, mais mon argent te manque aussi. En clair, ça parle d'un homme qui l'aimait pas vraiment, mais qui l'aimait juste pour sa popularité et l'argent qu'elle pouvait lui apporter, quoi. Et elle dit, bah tu crois que je ramène un autre amant que moi en fait. Elle est juste sublime. Elle est trop canon. C'est très artistique, hein. Elle coupe ses liens, en fait. Elle est libre de nouveau. Trop court, les gars, là. Eh bien, que dire? Déjà, le titre, j'aime beaucoup les paroles également. En clair, elle dit tout simplement « Tu étais avec moi juste pour mon fric, pour ma popularité. Je suis moi, tu es passé par quelque chose de bien, tu es parti, c'est ta faute. » Enfin, j'espère que j'ai un peu plus... Enfin, que j'ai plus ou moins compris ce qu'elle voulait dire parce que c'est un anglais, traduction français... automatique, donc approximatif, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé les paroles, surtout au début quand elle dit son vrai prénom, tout simplement elle, tout simplement. Ah, elle est juste sublime, quoi. Encore une fois, ce rap, ce chant, elle est juste canon. Au niveau de l'esthétique du MV, ah ben j'ai préféré mille fois celui-ci que Spicy, même si j'ai beaucoup apprécié le MV et le titre Spicy. Mais franchement, celui-là, au niveau du MV, j'aime le fait qu'on montre que elle.
Il n'y a vraiment pas de danseur qui gravite autour d'elle ou quoi que ce soit. Dès le début, vous avez Ciel vraiment dans cette magnifique robe rouge en mode vraiment mais badass. Toutes ces vieilles télés, ces caméras, vraiment pour vraiment montrer par rapport aux paroles ce que les gens voient à travers écran. C'est pas spécialement, certes, elle transmet ce qu'elle est et tout, parce que je pense tout simplement que c'est une vraie artiste, mais il y a beaucoup de gens qui parle mal d'elle, qui pense que c'est une autre personne, tout le temps c'est hater et tout ça. Je pense que toutes ces télés, ces caméras et tout voulaient vraiment dire cela, qu'il y a vraiment des gens pourris et jaloux de tout simplement la popularité de certaines personnes. Ben les gars, t'as envie de faire ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, t'as un boss pour y arriver. Bon, il y a moins, il faut avoir du talent aussi, hein. J'ai beaucoup aimé aussi toutes ces tresses. Déjà, toutes ses tenues, ses coiffures, ses make-up, tout était nickel. Mais j'ai beaucoup aimé surtout les plans, certes avec les télés et tout ce rouge qui était bien présent. Et également, où elle était comme enchaînée avec elle-même, avec ses tresses qui étaient en corde. J'ai beaucoup aimé cette symbolique où enfin elle se libère de toute cette oppression, peut-être de cet amour toxique, etc. Tout ces tournesols, c'est une de mes fleurs préférées, les tournesols avec les coquelicots. Donc j'aime. Il y avait tellement d'éléments. À un moment donné, quand tu la voyais seule danser et vraiment toutes ces choses brouillées, tout c'était très très artistique. Et également, en fait, tout le EV était artistique, urbain, tout ce que j'aime, et beaucoup de symbolisme. Je sais pas si ça se dit ça. Enfin, c'était très symbolique. On va dire ça comme ça, c'est préférable, et ça fait un peu plus beau français. Mais je pense que vous l'avez compris. Oui, j'ai vraiment apprécié beaucoup d'aspects du MV, ce que ça disait, tout simplement. Et également, la chanson, Ciel, elle nous pompe chaque fois des vrais pépite. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais qu'est-ce que vous pensez du MV, de sa signification, également de l'esthétique. Est-ce que vous avez apprécié également ce nouveau titre? Moi, je vous fais plein d'euros bisous. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.